Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobiti et vous êtes toujours sur la chaîne des Jeux du Cygne. On se retrouve pour la suite de nos aventures avec Pedge et on venait de prendre un bateau, de prendre la mer. Allons-vous donc voir ce nouveau décor? Et c'est donc parti. On a Pedge, on a l'océan et on a ce monsieur qui est dans l'eau. Mais qu'est-ce qui s'est échoué sur la berge? Ohé! Qu'est-ce qui t'amène ici? Ils t'ont envoyé me sauver? Ça fait des années que je suis perdu ici. Que j'essaye de rentrer chez moi, auprès de ma chère et tendre. Ah bah, c'est un peu mal foutu. On est un peu au milieu de l'océan. Ok, donc. Ça, c'est ce qui paraît le plus simple, sauf que, bah non. Ou peut-être pas. Ouais, quelque chose comme ça va nous permettre de monter ici. Et voilà, de repartir. Ok, pour l'instant, pas de choses. Ah voilà, je me disais bien. Pas de petites subtilités, pas de petites choses compliquées. Bah non, bien sûr. Bien sûr, Chocho. Un levier. Alors, c'est quoi? C'est du temps limité? C'est. Non, ok, c'est définitif, ça a l'air d'être définitif. Il n'y a pas d'origami, on y retourne. Ok. Il y a un origami ici, qu'on ne peut pas avoir comme ça, pas aussi simplement. On pourra peut-être l'avoir comme ça. Ok. Alors, on a un interrupteur ici. Qu'est-ce que je peux faire d'intelligent? Qu'est-ce que je peux faire d'intelligent? Pas grand-chose. Ah, on peut monter comme ça. Est-ce que ça m'arrange? J'ai pas l'impression. Je n'ai point l'impression, parce que je peux pas redescendre ici, donc j'aurais tendance à dire que pour l'instant, ça m'intéresse pas. Pas. Par contre, je peux faire ça. Ok, donc on avance, on se retrouve coincé ici. Je peux me retrouver jusque là. Voilà, descendre ici. Faire le tour. On a dit que si j'arrivais à aller sur cette petite chose-là, qui est juste ici. Ouais, qui... Ai-je un moyen de grimper là? Peut-être, peut-être pas. C'était peut-être pas la bonne idée, hein. Peut-être qu'il faut passer par ailleurs. Peut-être que par exemple. Il faudrait passer. J'ai pas du tout. J'ai pas du tout. Activer l'interrupteur. Activons cet interrupteur. Ça va peut-être nous ouvrir des possibilités. Même si, moi ce que j'aimerais, c'est arriver ici. On voit qu'on va pouvoir repartir par là, c'est top.
Et notre origami dans l'histoire. Notre origami dans l'histoire. Comment je peux y accéder? Ah, peut-être que si je suis ici, je pourrais grimper là. Essayons, essayons. On a dit que c'était comme ça. Hop. Et que du coup, on a dit que peut-être, genre si je vais comme ça, voilà, je peux grimper ici. Alors j'espère juste que le rayon n'est pas mortel, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Et on va chercher notre origami. On a trouvé un calamar. Adore les gros câlins, mais un peu collant. Parfait. Et du coup, rebelote pour redescendre et pour traverser. Ok. Hop. Ok, donc on a un interrupteur et trois boules. Génial. J'imagine que l'interrupteur... Ah oui, oui, les boules gênent. Bien sûr que les boules gênent. Oh, punaise. 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 Comment je peux passer? Comment je peux passer? Je peux passer comme ça. Voilà. Voilà. Donc, je passe comme ça. Je tire la boule. Je descends la boule. Voilà, puis je peux même la pousser pour qu'elle me gêne plus. Ensuite, même punition ici. Je peux la pousser comme ça. Sauf que moi aussi, il faut que je passe. Donc je vais la pousser dans l'autre sens. Donc on la tire, puis on la pousse. Bien évidemment. Comme d'habitude. Ensuite... Il nous reste celle-là. Pour le coup, ça, ça va pas nous servir. Voilà, pour le coup. On va utiliser ce côté-là. Voilà. Parfait. J'ai pas vu d'origami. On a dégagé le chemin. La plateforme est là. C'est parti. Alors. On a un petit origami qu'on pourra aller chercher. Pas du tout comme ça. Comment on pourra aller le chercher? Ben on verra. On a des... Ah, voilà. On a des choses intéressantes comme ça. Ok, le caillou gêne. Le caillou gêne. Je répète. Waouh. Ok. Donc, ça c'est bon. Mon origami. Je vais pouvoir venir le chercher par ici. Si j'arrive à trouver un moyen de moyenner par là. Genre en venant ici, puis en traversant, ok. Sauf que là, je peux pas traverser. Que ça, ça me permet pas de traverser. Ça, ça me permet de remonter. On a dit que ça, non. Parce que ça, ça me permettait de monter. Et du coup, à mon avis, il va falloir rester en haut. C'était une mauvaise... Un mauvais choix. Voilà. On monte par un côté, on descend par l'autre. Ensuite, on a dit, on grimpe ici, on descend et on va choper notre origami. Un hippocampe!
Ensuite, j'imagine qu'on va tout simplement faire ça comme ça. Et vu que je l'ai fait tout à l'heure, en fait, ça l'a activé. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces symboles-là? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ces symboles-là? J'ai de quoi grimper ici. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Mon Dieu. On panique pas, hein, bien évidemment. On se doute bien qu'on va trouver comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne? J'en ai un ici. Alors je vais pas pouvoir tous les mettre visibles en même temps, puisque j'en ai genre celui-là qui est visible avec celui-là. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Ok, c'est des machins à réfléchir le. Ah, ok. C'est des miroirs. Voilà. Ok. Ce sont des miroirs. Et du coup, je crois qu'il y avait, voilà, un escalier par ici. On grimpe. Oh my god. Continuons. Donc de nouveau, plein de miroirs. On est parti. Alors. J'en ai un là, ce que je peux par exemple. Donc j'ai activé ici. Ok, cool. Et maintenant, il faut que j'active l'autre. L'autre qui est comme ça. Voilà. Ok. Bien évidemment, on nous rajoute des statues. Et un petit origami à aller chercher. Donc, on a les miroirs, les petites pierres avec des 1, la grosse statue. Activons ça. Ok, la statue gêne. La statue gêne. Donc déjà, première chose. La statue gêne. Comment j'atteins cette statue? Je vois bien que si j'arrive à arriver de ce côté-là, on va pouvoir s'en sortir. Mais il faut déjà que je puisse pousser ma statue. Poussons notre statue. Est-ce que si je la pousse genre par là? Non, non, non. Ah oui, je peux pas la. Si je la pousse. Oui, si je la pousse. Si je la pousse trop, c'est moi qui suis coincé. Parce que là, je me retrouve à la tirer. Je me retrouve à la tirer, ce qui m'arrange pas. Ou alors je la renvoie par là. Ce qu'il va falloir que je déplie en fait. Ou alors, est-ce que j'ai un moyen de récupérer Pepper ensuite. Pepper. Page. J'ai envie de l'appeler Pepper à chaque fois. Elle s'appelle Page. Page. Pas vraiment. Est-ce que du coup, j'aurais pas plutôt intérêt à la remonter par là? Mais je vais pas pouvoir parce que je vais la pousser. Je vais la pousser et après je vais être coincé. Je vais pas pouvoir la remonter.
Je vais prendre le risque, du coup. Je vais faire ça comme ça. Oui, et du coup, elle me gêne toujours. Oui, on est d'accord, elle me gêne toujours parce qu'il fallait aller là. Ok. Donc, ma chère statue, il faut que je trouve un moyen de t'amener à un endroit qui ne me gêne pas. Et c'est pas aussi facile que prévu. Je sais pas, parce que ça me paraissait simple et évident, et quelque chose me dit que c'était un peu un piège. Ah, mais si, du coup, si j'arrive à arriver ici et là avec ma page et ma statue, on va pouvoir se replier. Voilà. Donc, hop, et je vais pouvoir envoyer ma statue si tu pouvais. Ouais, c'est ce que je crains. Là, tu la... J'aurais aimé que tu la pousses. Peux-tu la pousser? Pour ne pas être là avec elle. Quoique c'est pas grave, je pourrais te récupérer la page. Voilà, j'ai récupéré page. Tout va bien. Je n'oublie pas mon origami, hein. D'ailleurs, peut-être qu'il aurait fallu que je m'en occupe avant que ma statue soit... Soit positionné. Bah du coup, je vais peut-être la redescendre, ma statue. Ce sera peut-être plus simple. Donc, juste pour pouvoir choper. Mon origami. Donc, on redescend la statue. On remonte Page. Mais pas autant. Parce qu'il faut que je puisse plier. Et là, je peux pas plier assez, je pense. Ouais, c'est ça. Là, je peux pas plier assez. Donc, en fait, il fallait bien qu'elle reste un peu plus en bas. Donc, je vais la remettre à côté de sa statue. S'il te plaît. Et je peux pas grand-chose. Ah, ça va plutôt être comme ça, peut-être. Voilà, comme ça. Sauf que là, je peux pas pousser ma statue, ce qui m'embête un peu. Ce qui m'embête un peu, est-ce que si j'emmène ma statue avec moi, je peux faire quelque chose de mieux? Pas vraiment. Et si je fais ça, je peux pas bouger parce que je m'auto-coince. Je m'auto-coince, certes. Je peux peut-être avancer un peu plus ou un peu moins. Genre j'avance plus ma statue. Je vais là. Je recule ma statue. On s'en va et son revient. C'est fait de tout petit rien. Non, il faut que j'avance ma statue encore. Donc de deux en fait. Pour pouvoir mettre ça là, avancer ma statue et choper mon origami. Voilà. Une baleine! Parfait. Maintenant,
On refait comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on emmène notre statue tout en haut. On déplie, on replie, on emmène la statue, c'est ça, on emmène la statue par là pour qu'elle ne gêne pas. On récupère Paige. Ai-je vraiment besoin de récupérer Paige? Non, Paige peut rester là, donc je peux la récupérer comme ça. Voilà. Ce qui est suffisant pour traverser. Eh ben, que le diable m'emporte! C'est encore toi! Comment t'as fait pour me trouver dans un endroit pareil? J'ai bien peur que la mer soit agitée par là. Quoi? Non, métaphoriquement. Y a pas d'issue. Tu vas devoir faire demi-tour. Ok. Il y a des petits symboles qu'on connaît très bien. Alors, ça, j'en crois pas mes yeux. Regarde un peu ça. Une belle glisse juste devant toi. Enfin, ce serait le cas si j'avais mon bateau. Une belle marche fera l'affaire. Et est-ce qu'on peut... Celle qui est en dessous, là, qui... Elle est juste là pour le leurre. Ok, elle est juste là pour le leurre. Ensuite, on a... Ah! On a des statues avec des miroirs! Et des miroirs! Ok. On a une clé ici, une porte là, un interrupteur, des miroirs, une plateforme mouvante. On va se marrer. Je dois pouvoir monter sur la plateforme et aller genre par ici. Voir peut-être même aller sur la plateforme. Ça m'arrange à rien. Ça m'arrange à rien. Y a les statues qui gênent. Bien évidemment. Et tant que j'ai pas allumé l'interrupteur, je ne peux pas. Aller plus loin. Par contre, peut-être que. Bah non, je peux pas plier, on a dit. On a dit que je pouvais pas plier. Donc la seule chose que je peux faire, c'est emmener éventuellement ma plateforme. Je peux pas plier plus comme ça. Et ici, je peux pas plier plus comme ça. Ma plateforme. Je peux pas l'amener jusque là. Est-ce que j'ai moyen de faire quelque chose de plus intelligent? J'ai pas l'impression depuis le début. Ici, ça m'arrange qu'à moitié, ça me permet d'arriver ici, sauf que bah du coup, j'ai pas la clé. Pour avoir cette clé,
Je peux pas vraiment monter plus. L'escalier ici est coincé à cause des statues que je peux pas bouger. Et malheureusement, moi je peux pas y aller parce que bah, c'est un escalier. Intéressant, intéressant. Mais est-ce que je peux plier d'une manière un peu plus intéressante? Parce que genre là, je peux plier. Mais du coup, je suis coincé. Je suis coincé, coincé. Si je plie comme ça, c'est le même escalier, donc j'arrive à la même chose. Ici, c'est pareil. Tant que j'ai pas bougé la statue. Tant que j'ai pas bougé la statue, je ne peux rien faire. Comment j'accède à ça? Quelles sont les possibilités que ma plateforme flottante me donne et que je ne vois pas? Parce que si jamais je pouvais réussir à monter, je serais bien. Le problème, c'est qu'une fois que je suis dessus, puis là, ça m'intéresse pas vraiment le pliage. Là, c'est pareil, je vais être coincé. Ici, c'est pareil, le pliage me permet pas de faire bouger la plateforme à un endroit plus intéressant. Ici, ça me permet de faire ça. Mouais. Mouais, mais... Mais... C'est peut-être... J'allais dire, c'est peut-être une partie de la solution. Sauf qu'en fait, si je peux pas bouger plus... Je peux pas bouger plus... Tant que j'ai pas monté, je peux pas bouger de manière intelligente. Je peux aller là. Mais on a vu que j'avais rien qui me permettait ensuite de rebouger. Mais peut-être qu'une partie de la solution est de se servir de la tuile d'en dessous. Est-ce que je peux me servir de la tuile d'en dessous. Non. Ça me paraissait un peu gros. Je peux arriver ici. Est-ce que... Ça m'arrange. Pas vraiment parce que je peux pas monter. Mais je peux l'emmener là. Certes, mais derrière, je peux pas en tirer avantage. Oh mon dieu, mais c'était tout con. Oh là là. Bien évidemment, c'est pas un mur ça, je peux bouger sans aucun problème. Oh. Ok, donc... Allons activer cet interrupteur qui me casse les cacahuètes. Allons chercher cette clé.
C'était vraiment tout con, je l'ai même pas vu. Des fois, plus c'est gros, moins on le voit. Pour arriver ici, je vais peut-être quand même passer par là. Hop. Et on ouvre. S'il te plaît. On active. Et ensuite, ça va être tout l'art de bouger les statues. Non mais j'en reviens pas d'avoir absolument loupé ça. C'était tellement ridicule. Ok, j'en ai pas en dessous. Donc en fait, les deux là redirigent vers la gauche. Du coup, moi, si je veux rediriger vers la droite, on va plutôt faire ça dans l'autre sens, peut-être. Genre, là, comme ça. Est-ce que je peux bouger celui-là? Non. 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 Après, je peux tout à fait m'en séparer de certains. Réfléchissons. Réfléchissons. En fait, celle-ci, il faut qu'elle monte. Voilà. L'astuce est là et celle-ci, on la redescend. Oh, j'y étais presque. Il faut que je la mette là. Voilà. D'ailleurs. Oui, là, du coup, c'est Paige qui gêne. Tout va bien. Voilà. Paige remonte sur la petite plateforme pour pouvoir pas du tout sortir parce que la sortie est en haut. Ma chère Paige. Voilà! Eh ben, je pense qu'on va se laisser là. On fera la suite de l'océan dans le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu, que vous prenez plaisir à suivre cette série. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye!